On participe pyrotechniquement au final du même spectacle. Un gros feu d'artifice ? Non, une ponctuation finale luxuriante, puisque les derniers péchés, la luxurieuse. Et luxurieuse. Voilà, et luxueuse. Et luxueuse. Les clés sont à la pharmacie. Qu'est-ce qui se passe là? Vous remballez le matériel que vous avez descendu? D'accord. Donc vous avez sorti le matériel et maintenant vous le rentrez voilà. En camion. Et tout ça est très pensé. L'intermission du spectacle, voilà. En plein effort, digérant ses acéliques dont il s'est gavé. Ça nous emmerde plutôt qu'autre chose. On n'a même pas la tranquillité de se décontracter, de se décontracter. Ouais, ça pousse un peu au rêve, tu vois, parce que ce qu'on fait, c'est vachement soft. Comme c'est Rustol, tout ferraille et technologiquement en fait c'est très simple. Donc les gens, si on leur dit quoi, ils disent déjà dans le temps ils savaient travailler. Merde, le cirque! C'est pas possible pour lui, il aime pas ça. Il aime pas le cirque? Non, il aime pas ça. Il aime pas parce que j'avais envie qu'il aime pas, et puis il aime pas aussi parce que ce qui m'intéressait, c'est que c'est une espèce d'antithèse du cirque, Schlibel. C'est l'inverse de la prouesse, l'anti-prouesse. Mm-hmm. Il a un côté anti-héros quand même. Moi, il en fait mieux, il se porte, il est fainéant, il a tous les défauts que j'essaye de cacher au fond de moi. Je lui colle sur la peau et comme ça, bon débarras. Elle est loin, le chêne derrière, là. Eh bien, hier, on a regardé monter la porte et c'était bien vraiment du travail. Hein. Ah oui, ça, c'était bien. Vraiment, vraiment. Ils ont eu du mal. Hein. Surtout, oui, il y avait un décors, grand vent. Les décors, ils sont jolis, tout ça. Il y avait un grand vent. Je pense que, tu vois, il est temps que ça finisse. Vous allez pouvoir passer à table, hein.
En fait, il ne se passe rien. Un autobus écrase un chien. Des panneaux se délassent. Il va pleuvoir. On s'appuyait de cosmonautes. On a mis son père poivre. C'est nous les cadres meilleurs potes. Ben, s'il n'avait pas plu. Il a plu, on est parti vite fait. Le théâtre à Nino. Le théâtre à Nino est un vrai théâtre à l'italienne. 48 mètres de long, 22 mètres de haut, trois grands lustres, dont un en cristal de bohème. Normalement, on fait cristal de bohème quand même. Hein. Ce théâtre a 105 places. Et nous avons déjà 100 personnes à l'intérieur. Il ne reste que 5 places, mais 5 places au balcon. Cela vous convient-il ? On y va. Allez, on y va, allez. Ouais. 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 Là, c'est une histoire où il y a deux personnages. Donc là, il y a le grand et le petit-fils. Le grand-père et le petit-fils. C'est bon ? Le grand-père et le petit-fils. Le grand-père, lui, il travaillait beaucoup, il faisait les 3-8. Là, très bien. Costume sur mesure. Costume, le mot costume est sur mesure. Une coupe de fruits. Une coupe de fruits, très bien. J'ai... Pourquoi ? Parce que le mot est coupé. Bravo. Ah, il a peur! Regarde là-bas qui se défend! Regarde! Regarde ça! Assis, ça commence! La luce! Si, grazie mille! Attenzione! Prego! Silenzio! Grazie! Magnifico! Sous le soleil qui chante! Plongé dans la cuve où flottaient encore quelques traînées de sang. Quand, d'un geste péremptoire, il aura donné l'ordre de se tenir à une distance respectueuse de son corps couturé de cicatrices. Mais si, messieurs, Non, papa!
Moi. Du dessin numérique parce que je le fais avec ma palette graphique penchée sur mon ordinateur. Et alors je dessine sur un des pêches capitaux du spectacle La Nuit qui est La Paresse. La Paresse, alors ce que j'avais, c'est basiquement des animations que j'ai fait avant et sont projectées en DVD. Et en même temps, je dessine là-bas des atmosphères, des couleurs, des choses qui vont... La table sera mise quand vous arriverez, amis, amours, amants et autres associés. Âpre de vieilles vignes, chocolat amer, des mûres et des quignes, noires dans les verres noirs et noires dans les assiettes. C'est ainsi que sera le festin de Juliette. Je veux voir mes variétés ce soir, tu comprends? Alors fous-moi la paix! Je fais l'art de mon soir, hein? Alors on va, j'arrête de l'homme, je suis tout! Ta gueule! Putain, tu vas marcher, fumier? Arrête, ça ne sert à rien! Je veux voir mes variétés ce soir! Gueule, pas ma galère! Mais qu'est-ce que vous pensez, les voisins? Mais j'en ai rien à péter, moi, des voisins! Thank you.